Bonjour et bienvenue sur Jessonline FR. Bienvenue surtout pour cette première vidéo Let's Play de l'année 2021. Et à ce propos, encore une fois, bonne année à tous. J'espère qu'elle sera meilleure que 2020. Et puis voilà, tout simplement. On se retrouve pour une toute première fois sur un Let's Play sur Nintendo Switch. Et on se retrouve avec Nino Kuni. Nino Kuni que j'ai déjà sur PlayStation 3. Je ne l'ai même pas encore fait d'ailleurs depuis longtemps que je l'ai. Et là, je l'ai pris sur Switch, notamment parce que déjà, il est un poil plus beau. Mais de ce que j'en ai entendu, c'est plutôt un jeu qui y avait plutôt pas mal. Donc, on va voir tout ça ensemble. Je vais juste régler quelques petits paramètres audio. Et j'espère que ça ira. Alors, du coup. On voit pas grand chose là, de ce qui est écrit. Il faut vraiment zoomer à mort. Est-ce qu'on peut jouer là ou pas du tout en fait? J'ai l'impression qu'il me revient au même truc. Je crois qu'à mon avis, il faut descendre tout en bas. Bon, dites-moi dans les commentaires s'il y a vraiment des gens qui lisent tout jusqu'au bout. Voilà. Pourquoi. Ok. Alors, je joue avec une manette sans fil du coup. C'est la première fois que je l'utilise. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Toujours dans l'esprit Zelda, parce que j'avais déjà acheté une manette Switch Zelda qui était pas forcément mauvaise, mais pouvait mieux faire. Du coup, là, je me suis dirigé vers une autre manette sans fil cette fois-ci, donc toujours Zelda qui reste assez basique. Mais qui est pas mal, même si c'est un peu léger. J'espère que le son est très bon parce que. Entre les oreilles d'un côté. Juste vérifier dans OBS, tiens, pourquoi pas, tant qu'on y est. Tant qu'on y est d'ailleurs, pour que je sache. Où est-ce que ça se trouve. Voilà, propriété. Propriété. Eh ben, dis donc. Ouais. J'ai un peu baissé le son et normalement vous avez le micro qui doit être bon. Ok. Alors, non. Ah, il va me mettre la bande-annonce du truc, je crois. Donc, il faut savoir que Nino Kuni, c'est un jeu qui a été fait en partenariat avec le studio Ghibli. Ghibli. Et on peut même pas se mettre en mode facile, mais bon. Alors jusqu'ici, la manette, elle répond bien. Alors, je me perds, il y a la cinématique, tiens. Get a move on, Ollie boy! Slow down, Mr. Drippy! But Ding Dong Dell's just on the way! Huh? Huh? Oh. Huh? What do we do? Run for the... Right. Let's get going, shall we? Huh? Hey, wait for me! So this is your world. That's right. A whole nother world. Beautiful, innit?
morning, Miss Layla. Why, good morning, Oliver. Your groceries are over there, honey. Thanks. Oh, I almost forgot. Did Philip find you? He said he had something to show you, dear. Really? So he finally finished it, huh? Do you know where he is right now? He just stepped out with some deliveries for me. I doubt he'll have gotten far. Thanks, Miss Layla. Oh, say hi to your mother for me. Sure thing, Miss Layla. Hey, Ollie. Ok, et ben on est parti hein, pour l'aventure de Ni no Kuni. Ok. Over here. Ok, parfait. Je vais trouver la touche pour avancer le dialogue. Alors finalement, on reste quand même sur un design assez basique de la PS3, mais quelques différences quand même au niveau des cinématiques. Mais... on reste quand même sur un truc très identique. Graphiquement parlant. Utiliser L pour lâcher jusqu'à l'endroit où se tient Philippe. Prochaine de Philippe, et vous verrez apparaître un machin. Ok, parfait. Alors, j'arrive, Philippe. C'est toi, Philippe? Non, c'est pas toi, Philippe. C'est toi, Philippe. Good thing you found me. Guess what? She's finally ready. C'est une bonne chose que tu m'aies trouvé. Devine quoi? Elle est enfin prête. So what Miss Layla said? Is it really what I think it is? Bon, je vais vous laisser lire en même temps. What else would it be, dum-dum? Boy, you are something else, Phil. So what do we do now? What else? We take her for a spin. Tonight. What? Tonight? But I can't. I mean, I need to ask my mom. And... Sure, sure. You go ask your ma. And then when do we do it, huh? Tomorrow? Next year? Well, I... No, but... Okay, we'll do it tonight. But we'll have to be real quiet. Sure we will. Okay, tonight in my garage. Be there or be square. Sure. Alors au début je le connais le jeu. Je suis pas arrivé très très loin. This is the child who will save the world. Or so says the crystal ball, your radiance. The dark djinn's power alone will not suffice. I fear not. What is the child's name? Oliver, your radiance. Oliver? Non, on va avancer, mais il y a un peu plus long. Mais lors des déplacements, la mille-pierre s'affiche partout à droite de l'écran. La mille-pierre vous permet d'avoir votre environnement immédiat. Ok. L'icône indique l'endroit où vous devez vous rendre. Votre première destination est la maison d'Oliver. Ok, donc la maison d'Oliver, elle est là-bas. J'ai envie de faire un bidon de la ville, je sais pas trop si c'est intéressant ou pas. On peut aller par là? Ah non, ok, on a des mineurs invisibles. Ah non, j'ai jamais pris attention. Et là aussi, d'accord, on va vraiment aller à sa maison. Ok. Donc quand j'utilise, c'est un jeu qui a été fait beaucoup en collab avec. C'est cinématique. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Attends, je pensais que le 2 était sorti sur Switch aussi, et finalement, non, il est sorti que sur PS4. Donc, il va falloir que je le trouve aussi celui-là. On va voir si déjà celui-ci me plaît. Parce qu'ici, il n'y a rien de compliqué, hein, qui est un peu traversé, sans se faire écraser. On peut parler aux gens? Non, on peut parler aux gens. À quel moment il faut aller au restaurant? J'ai hâte d'écouter les derniers funérailles. Ok, maman attend. Ok, maman elle attend. Ben, on va lui ramener ses courses à maman. Ça va, en fait on habite pas loin. Alors c'est cool. Ah. Bonjour Oliver. Oh là là, regarde-moi toutes ces feuilles et ces branches par terre, quelle folie. Ah, je me demande si avec quel secondaire avec toi. Je pense pas, hein. Mais... c'est ici ma maison. Hey, Mom. I got the groceries. Thanks, sweetie. Just pop them on the table, will you? Say, Mom. Did you say something, sweetie? You're kind of busy tomorrow, huh?
Well, now that you mention it, I do have to practice for my concert in the morning. Oh, yeah? So, you'll be in bed kinda early, huh? Mm-hmm. Yes, I suppose I will. Oh, you will, huh? Will you stop being so mysterious and eat your breakfast? You'll be late for school. Mm. And chew before you swallow. Thanks for breakfast, Mom. See you later, Mom. Bye, sweetie. You be good now. I will. Salut, Phil. Tu n'es pas encore à l'école? L'école, c'est perte. C'est pas un jour comme les autres aujourd'hui, Minus. On se fait maltraiter par un gamin, quoi. Aujourd'hui, c'est le jour où notre machine de rêve quitte la planche à dessin pour les rues de Motorville. Nanana, j'ai hâte. Quand est-ce que je pourrais la voir? Doudou, bijou, moins fort, c'est un secret, ne dis pas. Au fait, le remalin, tu n'as pas peur à ta mère, au moins? Bien sûr que non. J'ai demandé si elle était occupée et elle a dit qu'elle avait une répétition. Alors, elle se couche pas tôt. Parfait, alors. C'est ce soir, le grand soir. Je peux compter sur toi, Minus. Et comment ce soir dans ton garage il serait? Mais comment on se fait maltraiter par un gamin, quoi? Ok. Alors, je ne sais pas combien de temps on en est. Je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter bientôt. Et de s'être endormi. Génial, elle dort comme une bûche. Et il voit à travers les portes pour voir si sa mère dort. Et le moment où jamais je te rejoins le garage, je les filme. Alors, appuie sur X pour ouvrir le menu principal. Ok. Vous verrez alors différentes options sur le fichier. Sélectionnez une option avec un nom, puis appuyez sur A. Vous pouvez revenir au menu principal en appuyant sur B. Ok. Des options de menu supplémentaires deviendront disponibles au fil de notre progression dans le jeu. Ok. Ouvrez le menu principal et appuyez sur les touches directionnelles pour sauvegarder votre partie. Une fois votre partie sauvegardée, sélectionnez Continuer depuis l'écran titre pour reprendre la partie là où vous l'avez laissée. Ok. Vous pouvez à présent utiliser le menu principal avec une petite musique joyeuse. Ok, bon, on va regarder alors, du coup, ce qu'on a ici. Il y en a une... Non, c'est les paramètres. Alors, paramètres. Difficulté, musique, caméra au bas, normal. Affichage du texte. Non, mais c'est comme ça, vibration, j'ai pas de vibration. Étoile de direction, oui, rotation mini-carte, oui, ça pourrait être intéressant. Du coup, voilà. Hein. Ça fait presque pas de bruit dans l'escalier, mais tout va bien. Rendez-vous au garage de Phil, ok. Il faut savoir que la manette sans fil n'a pas de vibration. On a le gyroscope. De ce que j'ai pu comprendre, mais on n'a pas de vibrations. Bon, en soi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément d'avoir des vibrations, mais bon. Alors, on est à la cuisine. Par contre, pour sortir, où est la porte d'entrée? Ah, ok. Elle est super voyante en plus. Mais... Et alors? Ah, on peut courir maintenant. Enfin, il court tout seul, hein, donc c'est bien, ok. Hop là. Oh, bonsoir, Oliver. Qu'est-ce que tu fais dehors à une heure pareille? On va être... On est censé être discret, mais on va parler aux gens. Ça, c'est bien. Du coup, je me suis un peu goûté. Oh, il y avait une entrée. Donc, le début, si je le connais, hein, comme j'ai dit, j'avais fait... Enfin, j'avais pas totalement joué sur PS3, j'avais fait que le début. Donc, voilà, et puis... That's right. Et puis je pense qu'il est un petit peu... C'est mon avis personnel, je pense qu'il est un peu mal vieilli sur PS3. Mais sur PS... Enfin sur Switch, il a l'air beaucoup plus joli quand même. Pas tellement de différence, mais... En tout cas, voilà. Hey! In here! What are you looking at? What is it with that kid?
What kept you, Slowpoke? Sorry, my mom just wouldn't go to bed. So, is it finished? Sure is. The last bearing's in, and she's primed for action. Wanna see? Do I ever? All right. Here goes nothing. Okay. Wow! Oh, is this neat? Oh, this is so, so neat! You betcha. It's so neat! The new Coupe Deluxe ain't got nothing on us, Ollie. It's not even close. So, you ready to hit the road, kiddo? Yeah! Bon, il n'y a personne dans le coin. On devrait la sortir tout de suite. On dit, Phil, qui conduit en premier? Hein? Laisse-moi réfléchir. Tu sais quoi? Si tu cours jusqu'au bout de la rue pour vérifier que la voie est libre, je te laisserai l'essayer en premier. T'es sérieux? Oh là là, oh là là. Bon, d'accord. Attends ici. Et fais gaffe à la fille à la fenêtre, hein. La fille à la fenêtre? Tu sais, celle qui nous espionnait tout à l'heure, je te jure, elle est zinzin. D'ailleurs, elle est encore là, en fait. Tu vois, alors voilà, je parie que cette rapporteuse raconte tout à ses vieux. Elle ne ferait jamais ça. Dis donc, t'en penses pour elle ou quoi? On va plutôt voir ce qu'il y a là-bas. Bien sûr, Phil, je reviens tout de suite. Et nous, on reviendra tout de suite dans le prochain épisode. Et puis voilà, comment on fait pour le mettre sur... J'ai pas l'habitude avec la Switch. Sachant qu'encore une fois, c'est mon premier Let's Play d'ailleurs sur Switch. Ah, on peut sauvegarder ici. Par contre, on peut sauvegarder, c'est bien, mais j'arrive pas à cliquer dessus. Monsieur. Comment je fais? Ah non, je voulais pas faire une capture. Oui, d'accord, ok, super. D'accord, je sais pas ce que c'est, ça. Ah. Ok. Parfait. Parfait, parfait. Oh, j'appuie un peu sur toutes les touches. Bon. Voilà, bah écoutez les amis, on va s'arrêter là. Je pense que dans le prochain épisode, on essaiera de jouer FS Cam. Faut que je reconfigure la cam. Si ça vous intéresse, en tout cas. Mais bon, voilà. Encore une fois, je vous souhaite à tous une excellente année 2021. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira. mais en attendant. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, à vous abonner si vous le souhaitez pour ne rien manquer des futures vidéos. Et d'ici là, les amis, portez-vous bien.